Marco Polo a dit de Hangzhou, il n'y a pas au monde ville pareille, très noblissime et magnifique, ni qui offre de la même façon des délices tels que l'on se croirait en paradis. C'est le lever du jour sur les bords du lac de l'Ouest. Il faisait nuit encore et les habitants de Hangzhou avaient envahi les rives du lac pour marcher, pour courir, pour apprendre et reproduire les mouvements du tai chi, pour danser ou pour exécuter des chorégraphies collectives. Les voyageurs, venus d'Occident, indifférents, dormaient encore. Thank you.
Puis la parade s'est mise en branle, celle des bus et des bicyclettes, en direction des usines, des bureaux et des commerces. Excursion sur le lac de l'Ouest pour visiter ses temples, ses pavillons, ses îles et ses parcs où se retrouvent les amoureux, les nouveaux mariés et des groupes d'enfants. Oui, c'est la langue.